merci aux organisateurs de l'Université Populaire de m'accueillir. Vous avez du courage d'inviter quelqu'un qui va vous parler à la fois de marxisme et de biologie. Ça peut être un peu polémique. Comment ? Vous avez peur ? Tant mieux. Tant mieux. Non, non, ça va aller, ça va aller. Oui, il y a un côté polémique, évidemment, parce que je ne suis pas venu vous dire que la biologie serait une science de droite ou une science de gauche, évidemment, ce n'est pas du tout mon propos. Mais on vient ici parler habituellement, d'après ce que j'ai compris, de philosophie. Et le marxisme est un point de vue philosophique, matérialiste, au-delà de l'option politique ou des options politiques qui peuvent exister, mais on a tendance à oublier que le point de vue marxiste peut avoir aussi une efficience sur un domaine qui est plus large que simplement l'étude des sciences humaines ou des sociétés, ou de l'histoire de l'homme. D'ailleurs, Marx parlait lui-même de socialisme scientifique, si je ne me trompe pas, donc pour s'opposer au socialisme utopique, où il y avait un caractère peut-être déjà à l'époque un peu polémique sur cette question de ce que c'est que les sciences. Pour autant, moi je n'aime pas trop ce terme de marxisme, pour la raison suivante, c'est qu'au début du XXe siècle, on parlait plus précisément de matérialisme dialectique, pour rappeler que ce n'est pas le point de vue d'un individu qui s'appelle Karl Marx, après lequel on aurait eu des disciples pour compléter un peu ce qu'il avait dit. Le marxisme, ce n'est pas ça, c'est surtout une pratique théorique dans laquelle on a une méthode, on a un point de vue qui est le point de vue matérialiste, et on a une méthode qui est la dialectique, comme tu disais tout à l'heure, introduite par Hegel, mais qui s'inscrit dans l'observation de la matière quand on parle de matérialisme dialectique. Et c'est de ce point de vue-là que je me suis proposé de faire ce travail sur le champ de la biologie, en particulier sur les sciences de l'évolution. Avec, bon, je suis obligé de faire un préalable, parce que évidemment, c'est pas si facile que ça aujourd'hui, au début du 21e siècle, de parler de la biologie et des dernières découvertes en sciences de l'évolution à la lumière, je dirais, des principes du marxisme. Ça peut faire bizarre, mais en réalité, la tradition marxiste, depuis Karl Marx lui-même, se penche sur la science et plus particulièrement sur la biologie. C'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, mais pour anecdote, Karl Marx avait dédicacé son Capital à Charles Darwin, qui lui était contemporain. Alors Darwin ne l'avait pas lu, hein, le Capital, je crois qu'on avait retrouvé dans la bibliothèque de sa maison l'ouvrage qui n'avait pas été découpé. Mais enfin bon, ça montre au moins que Marx s'intéressait à ces questions, précisément parce qu'il considérait que c'était une révolution scientifique matérialiste très importante, à l'intérieur de laquelle il pouvait inscrire son point de vue à lui, qui était une analyse dialectique du mode de production capitaliste et puis plus largement de l'histoire de l'homme, hein, de ce qu'on appelle le matérialisme historique. Je vais vous donner trois références historiques d'abord comme préalable, et puis ensuite je mettrai un petit peu les pieds dans le plat en vous rappelant quelques éléments de biologie, mais sans trop entrer dans les détails, hein, je ne vais pas vous faire peur avec des trucs trop compliqués en génétique, c'est pas du tout mon but, mais c'est quand même important de voir comment aujourd'hui finalement le paradigme néo-darwinien, c'est comme ça qu'on dit au moment dans tout le XXe siècle, finalement on a eu une science de l'évolution qui a porté ce nom, le néo-darwinisme, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un paradigme qui commence, disons, à se relativiser fortement dans ce qu'on pourrait appeler une crise de croissance de l'évolutionnisme, comme il y en a eu dans beaucoup de sciences par ailleurs. Il y a eu des crises de croissance en physique, en maths, en chimie. Il y a eu des moments où la théorie a dû être reconstruite à la lumière des découvertes récentes. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en matière de sciences de l'évolution. Peut-être que vous avez entendu parler récemment, si vous vous penchez un peu sur les sujets de biologie, de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est une science qui commence juste à naître, mais qui pose pas mal de questions, y compris aux théoriciens du XXe siècle qui se disaient néo-darwiniens au départ, et qui s'inscrivaient dans une tradition génétique sur laquelle je reviendrai aussi, dans des notions un peu centrales et importantes à rappeler. Alors trois références pour vous montrer que c'est pas si absurde que ça de parler de biologie
à la lumière du marxisme. La première, c'est le livre, peut-être vous connaissez ce livre qui a été écrit par Friedrich Engels, qui s'appelle « Dialectique de la nature » à la fin du 19e siècle, et qui est un livre qui a été longtemps considéré comme un classique du marxisme, même si c'est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, et qui a le mérite, dès le départ, au moment où Darwin commençait à parler de sa théorie de l'évolution, avec toutes les polémiques qu'on connaît, eh bien, d'inscrire cette théorie sous un angle dialectique, c'est-à-dire en reprenant les principes de la dialectique que je vais vous rappeler tout de suite pour qu'on s'entende bien et pour que justement vous puissiez comprendre quel est l'intérêt de parler de dialectique quand on parle de biologie ou de science en général. Il y a trois principes. Alors après on peut compliquer, mais pour faire simple, et c'est un peu du bon sens que de dire ça, le matérialisme, c'est une position qui dit que la matière est première et que les idées découlent de la matière, qu'elles sont secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme dans toute la tradition philosophique depuis la Grèce antique. Alors, ce matérialisme s'est exprimé de plusieurs façons. Vous connaissez peut-être l'empirisme ou le positivisme ou le mécanisme. Tout ça, c'est des versions ou des propositions historiquement pour développer cette position qui se met clairement du côté des scientifiques, pour dire ce qu'ils ont sous le microscope, c'est donc la matière va parler d'abord et les idées en découleront et on construira nos théories en fonction de ce qu'on observe. Et ce matérialisme n'existe que par opposition à un principe philosophique antagoniste qui s'appelle l'idéalisme, qui date de la même époque, hein, en Grèce antique, où on avait Aristote, enfin bon, je ne veux pas refaire l'histoire de la philo, mais l'idéalisme considère au contraire que les idées sont premières et que la matière est seconde. Avec comme exemple très simple la pensée théologique qui considère qu'il y a une puissance divine, une volonté créatrice qui va être à la base du monde matériel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc évidemment l'idéalisme c'est assez simple comme ça, mais il faut savoir que ça s'est exprimé ou ça s'est raffiné avec l'histoire de la philo jusque dans certaines théories scientifiques elles-mêmes. Et là je reviens à mon sujet, quand on parle de génétique par exemple, et là on parle plus de pensée théologique, mais la génétique, vous savez sans doute que ça se fonde sur la découverte des gènes, qui sont en réalité des informations génétiques, donc de l'immatériel d'une certaine façon, même si c'est sur un support moléculaire qui s'appelle l'ADN, tout comme un message pourrait être écrit avec de l'encre et du papier, c'est quand même quelque chose qui est informationnel, et qui préside à la détermination des formes matérielles du vivant. Donc clairement, si on résume cette théorie génétique, c'est une position qui est clairement idéaliste. Alors ça n'a pas empêché cette théorie d'être opérationnelle et d'avoir beaucoup servi le darwinisme, puisque elle a été fondamentale. Darwin ne connaissait pas les gènes, hein, évidemment. La théorie génétique s'est faite à peu près dans la même période, mais à partir de découvertes très différentes. Ce n'est pas le même champ d'études au départ, la génétique, c'est une théorie de l'hérédité. Et il a fallu fusionner en fait le darwinisme et la génétique pour obtenir cette science de l'évolution qui s'appelle le néo-darwinisme tout au long du XXe siècle. Donc, concrètement, les trois principes de la dialectique qui constitue la position marxiste et qui peut avoir un intérêt quand on décrit la matière, c'est premièrement la contradiction dialectique, c'est le fait que tout est en interaction dans la matière. Le deuxième principe, c'est celui de transformation de la quantité en qualité, donc c'est la notion de saut qualitatif dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bon, j'y reviendrai, je vais donner des exemples. Et le troisième principe, c'est celui de négation de la négation. Je ne vais pas développer trop, mais je vais juste donner deux exemples qui peuvent être parlants, à la fois pour montrer que c'est opérationnel quand on cherche à décrire des processus dans la matière, et pour vous dire aussi que ça ne parle pas que de politique, mais qu'on peut aussi l'inscrire dans des processus matériels qui sont observés par les physiciens ou même les biologistes. Vous savez que Karl Marx étudiait ce qu'on appelle le mode de production capitaliste, qui est considéré donc du point de vue matérialiste comme un mode de production dans lequel vous avez deux pôles antagonistes qui sont la bourgeoisie et le prolétariat, qui sont en contradiction dialectique parce que leurs intérêts historiques s'opposent et que l'une fait développer l'autre, la classe ouvrière,
pour ses propres intérêts, pour grossir le capital, que l'autre grossissant fait valoir ses intérêts propres. C'est une accumulation quantitative que Marx appelle la lutte des classes, au terme de laquelle vous avez un passage, enfin une transformation du quantitatif en qualitatif, c'est-à-dire un saut, un bond qualitatif qui s'appelle la révolution, le renversement du mode de production capitaliste pour produire un mode de production socialiste qui annihile la contradiction qui lui avait donné naissance, puisque le socialisme annule la lutte des classes. Donc là, vous avez en fait dans le schéma marxiste, qu'on soit d'accord ou pas avec ce schéma, il intègre en fait les trois principes de la dialectique, qui sont la contradiction, la transformation de la quantité en qualité, la négation de la négation. Alors il y a un exemple très simple qu'on peut joindre à ça pour montrer que ça peut décrire aussi d'autres processus, c'est celui de la casserole d'eau qu'on met à bouillir. C'est un exemple que j'ai pas trouvé moi-même, mais on trouve ça dans des cours de marxisme faits par Georges Polidière, qui est un célèbre philosophe résistant, et effectivement qui avait essayé de montrer comment le matérialisme dialectique pouvait être compris par tout le monde. L'eau qui est mise à bouillir, c'est un ensemble de molécules qui, puisque c'est l'état liquide, sont en interaction, en attraction les unes avec les autres. Si on met ça sur le feu, on développe une agitation thermique qui est une force d'éloignement des molécules les unes par rapport aux autres. Donc vous avez deux forces antagonistes, l'attraction et la répulsion des molécules. Et l'accumulation, enfin l'intensification de cette contradiction amène un changement d'état qui est la transformation en vapeur. Donc là aussi, dans un schéma comme celui-là, très simple, en physique, hein, là on est en physique en fait, on a une contradiction interne à la matière qui n'a pas besoin d'adjuvant extérieur, qui n'est pas idéaliste dans le sens où c'est pas une volonté immatérielle qui vient de l'extérieur de la matière pour la transformer, c'est bien la matière elle-même qui évolue. Vous avez une contradiction qui se développe quantitativement pour arriver à un bond qualitatif au-delà duquel l'état gazeux est en fait une annulation de cette contradiction entre l'attraction et la répulsion des molécules. Donc on a les trois principes comme je l'avais décrit sur le truc de Marx. Mais si vous connaissez un peu les théories modernes de la physique, on pourrait l'appliquer à bien d'autres choses. Là, je ne parle pas encore de biologie, mais vous avez entendu parler de dualité onde-corpuscule pour la lumière, par exemple, dans les théories modernes de la science, la physique. Vous avez entendu parler d'électromagnétisme, d'opposition entre la matière et l'antimatière dans l'histoire de l'univers. Tout ça, c'est des choses qui peuvent très facilement s'intégrer dans les principes de la dialectique. C'est un peu de ça que parle Engels dans Dialectique de la nature, un peu largement, mais en montrant qu'effectivement, cette pensée dialectique est opérationnelle pour décrire un certain nombre de choses dans la matière, au-delà du seul sujet de l'histoire des hommes. Deuxième référence, alors pour moi elle est importante à rappeler, parce que là c'est vraiment tombé dans l'oubli, mais il y a un savant, un biologiste français, qui était à l'époque très reconnu, qui avait une carrière internationale et qui a reçu un certain nombre de prix, et qui s'appelle Marcel Prenant, et qui est également connu comme étant un membre du comité central du Parti communiste à l'époque, grand résistant. Voilà. Donc Marcel Prenant, c'est quelqu'un qui avait sa notoriété à l'époque et qui a écrit un livre que j'ai ramené ici, hein, pour moi c'est un peu une pièce de musée, mais qui s'appelle Biologie et marxisme. D'accord ? Écrit en 1935, donc c'est ancien, mais c'est quand même plus récent, c'est une autre époque que celle de Marx et Engels, et pour vous montrer que cette tradition marxiste d'analyse de l'objet biologie a continué avec une nécessité d'interprétation de faits nouveaux, et en particulier, là on parle de génétique, puisque la génétique n'existait pas officiellement à l'époque de Marx et Engels. Et dans ce livre, Marcel Prenant met le doigt sur une contradiction importante dont je parlais tout à l'heure, qui constitue le problème philosophique majeur de ce qu'on appelle le néo-darwinisme. À savoir que si d'une part le darwinisme est une théorie profondément matérialiste, puisqu'elle se fonde sur une histoire du vivant qui évolue par ses propres forces internes, en fait, ça n'est pas guidé de l'extérieur par une volonté immatérielle, Darwin considère que la puissance de variation des individus dans les populations est une constante de la matière vivante et qu'elle est sélectionnée vous connaissez peut-être le schéma, hein, qu'elle est sélectionnée par ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire
le fait que le milieu intervient secondairement sur, ces, sur cette variation des populations, c'est un processus qu'on peut, comment dire, décrire très facilement d'un point de vue dialectique. Ça, c'est la partie darwinisme. Par contre, la lacune du darwinisme, c'est qu'il n'avait pas de théorie concrètement de l'hérédité. Or, c'est bien par la reproduction que les individus, que les organismes transmettent leurs variations, et sur lesquelles, effectivement, le milieu peut opérer, peut faire sa sélection naturelle. De l'autre côté, vous avez une théorie qui s'appelle la génétique, qui est née presque contradictoirement à l'évolutionnisme, parce qu'au départ, la science de l'hérédité, c'est la science qui explique pourquoi les chiens font des chiens et les chats font des chats. C'est-à-dire que c'est la science qui explique pourquoi on se reproduit quasiment à l'identique dans des espèces. Donc et avec ce principe qui est quelque part idéaliste, dans le sens où il pose l'existence de gènes séparés en nous, qui s'expriment pour nous donner naissance, et cela tout à fait indépendamment du milieu. On a donc une science qui a une forte connotation idéaliste, mais qui a été obligatoirement intégrée au darwinisme parce qu'elle donnait l'explication aux variations que proposait Darwin, les mutations génétiques. Alors ces mutations, évidemment, on en avait besoin, on n'allait pas nier l'existence des gènes, et ce n'est pas du tout mon propos que de venir le faire maintenant, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'est l'interprétation qu'on peut faire de ces découvertes qui peut être considérée comme idéaliste. Et d'ailleurs, alors ça c'est le côté application pratique, la théorie génétique ou la théorie néo-darwinienne a amené un certain nombre d'applications pratiques dans la société qui ont pu être très discutables d'un point de vue politique. Vous connaissez l'eugénisme, vous connaissez le darwinisme social, enfin des choses qui ont été appliquées dans les États-Unis au début du XXe siècle, qui ont été développées dans les pays fascistes en Europe, et qui effectivement sont encore ces principes-là, et même la génétique telle qu'elle était développée à l'époque sert encore à certains créationnistes aujourd'hui pour nier le darwinisme. Ce qui montre bien que ces éléments-là, qui pour être scientifiques sont quand même des arguments dont se servent des opportunismes idéalistes ou théologiques ou créationnistes aujourd'hui pour se servir des faiblesses apparentes aujourd'hui du néo-darwinisme pour revenir avec en se parant d'une certaine scientificité génétique et en disant voilà, si les gènes sont des informations qui décrivent les formes vivantes, alors c'est que quelqu'un les a écrits, ou que le message, c'est qu'il y a un messager, c'est qu'il y a quelqu'un qui les dicte. Du coup, effectivement, on voit très bien l'intérêt pour le champ des personnes qui voudraient justement profiter de la crise aujourd'hui scientifique en biologie pour faire revenir en force le créationnisme sur Internet, hein, souvent. Voilà. Donc, bon, je me suis un peu égaré. Je voulais vous donner une troisième et dernière citation, une troisième et dernière référence qui montre que ça n'est pas qu'une question de marxiste, finalement, cette histoire de dialectique dans la biologie. Là encore, alors c'est beaucoup plus récent. Je voulais vous lire une citation d'un évolutionniste qui n'est pas marxiste du tout, et qui est très connu d'ailleurs, c'est l'auteur de nombreux best-sellers sur la théorie de l'évolution, qui s'appelle Stephen Jay Gould, un évolutionniste américain qui est mort en 2002, mais qui a vraiment eu une renommée internationale du point de vue de la popularisation du darwinisme, et aussi de son apport à lui. On pourra peut-être y revenir après, mais en tout cas, l'intérêt de cette citation, c'est qu'il parle de l'efficacité qui pourrait être celle du marxisme dans la résolution de certaines contradictions dans la théorie de l'évolution. Donc je vous la lis, et puis vous allez voir que ça peut être intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas marxiste mais qui est vraiment un biologiste appeler finalement le secours d'un certain point de vue, pour peu qu'on ne le politise pas trop, quoi. Donc il dit, et d'ailleurs ça repose un certain nombre de contradictions intéressantes sur lesquelles je vais revenir rapidement après. Il nous faut comprendre, ça c'est écrit en 1987, hein. Il nous faut comprendre au sein d'un tout l'interprétation des gènes, l'interpénétration pardon, des gènes et de l'environnement. Bref, nous devons emprunter ce que tant de grands penseurs nomment une approche dialectique, mais que les modes américaines récusent en y dénonçant une rhétorique à usage politique. Même si c'était la fin de la guerre froide, ils préfèrent prendre certaines précautions. La pensée dialectique devrait être prise plus au sérieux par les savants occidentaux. Les questions qu'elle soulève
les questions de l'opposition entre réductionnisme et holisme, qui sont deux formes de matérialisme qui se sont un peu opposées à cette époque, qui sont à présent si brûlantes dans tous les domaines de la biologie, où les explications réductionnistes ont atteint leurs limites et où, pour progresser, il faudrait de nouvelles approches pour traiter les données existantes, au lieu d'accumuler encore davantage de données. Donc là, on voit bien l'intérêt, non pas d'accumuler des découvertes scientifiques, alors que ces découvertes commencent à mettre le doigt sur des contradictions de la théorie, il faut repenser la théorie, mais avec une approche qui serait nouvelle. Et il pense que la dialectique serait intéressante de ce point de vue-là. Il ajoute, lorsqu'elle se présente comme les lignes directrices d'une philosophie du changement, les trois classiques de la dialectique illustrent une version dans laquelle le changement est une interaction entre les composantes de systèmes complets, ça c'est l'idée de contradiction dialectique, et où les composantes sont à la fois les produits du système et les données que l'on fait entrer dans le système. Ainsi, la loi des contraires qui s'interpénètrent témoigne de l'interdépendance absolue des composantes. La transformation de la quantité en qualité défend une vision systémique du changement qui traduit les entrées de données incrémentielles en changement d'état. Et la négation de la négation décrit la direction donnée à l'histoire, car des systèmes complexes ne peuvent retourner exactement à leur état antérieur. Donc il recite les trois principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Et en disant que, en mettant de côté les implications politiques qu'on pourrait imaginer, ça peut avoir une certaine efficacité pour comprendre des problèmes qui se posent au niveau de la théorie néo-darwinienne aujourd'hui. Alors je vais vous donner d'abord, et peut-être que c'est quelque chose que vous avez en tête, dans le principal problème du néo-darwinisme pendant le XXe siècle, est le fait qu'il s'est fondé sur une négation. Et ceci dans une question que vous connaissez peut-être, qui est celle de l'inné et de l'acquis. Donc c'est une question qui n'est toujours pas résolue, et on se rend compte aujourd'hui, alors qu'on croyait la question définitivement réglée au début du XXe siècle, elle refait surface aujourd'hui, et c'est pas du tout du fait des marxistes, mais des généticiens eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui. Au départ, pour resituer un peu les choses, qu'est-ce que c'est que ce problème entre l'inné et l'acquis ? L'inné, vous avez bien compris que c'est l'idée de... On a la naissance. Voilà, c'est les gènes, c'est la génétique. Et l'acquis, c'est ce qu'on développe ponctuellement lors de notre vie. Et effectivement, c'est notre acclimatation, notre adaptation dans des conditions précises locales pour chaque individu. Ça, c'est l'acquis. On peut donner un exemple très simple, c'est l'immunité, par exemple. Hein. Quand on est exposé à des agents pathogènes, on développe une certaine immunité qui fait une mémoire immunitaire qui est personnelle, enfin, qui n'est liée qu'à ce qu'on a rencontré au cours de notre vie. Alors, évidemment, dans cette contradiction, vous allez voir tout de suite qu'il y a un problème. Dans la théorie de Darwin, vous le savez peut-être, Darwin considérait qu'il y avait effectivement une hérédité des caractères acquis, parce qu'il n'avait aucune autre possibilité, il n'avait pas d'autre théorie alternative de l'hérédité. Il a pris celle de Lamarck, que vous connaissez peut-être, qui était un peu plus ancien que Darwin, et qui considérait, vous avez déjà vu l'histoire de la girafe, peut-être, qui... Non, vous ne connaissez pas cette histoire. C'est une caricature, mais ça montre bien, ça décrit bien ce que Lamarck pensait pour expliquer l'évolution des espèces, sans en trouver le véritable moteur. Il disait, les girafes avaient un cou très court, et puis les arbres montant, enfin les feuillages montant de plus en plus haut, les girafes ont envie de tendre le cou de plus en plus, et au fur et à mesure qu'ils tendaient le cou, évidemment, les descendants avaient un cou plus long, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec des girafes avec un cou très long aujourd'hui. Donc ça, c'est l'illustration très simpliste, mais finalement qui parle à tout le monde, hein, de ce que ça peut être l'hérédité des caractères acquis. Bon, et là-dessus, au début du XXe siècle, vous avez un scientifique qui s'appelle Weissmann, qui est un néo-darwinien, c'est même presque celui qui a fondé ce terme de néo-darwinisme, puisqu'il a fusionné la théorie de l'hérédité de la génétique et le darwinisme, auquel il manquait l'explication de l'hérédité. Lui disait, j'ai coupé la queue de souris pendant X générations, et je n'ai jamais obtenu de souris sans queue. Donc, il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, c'est fini, on n'en parle plus, on a définitivement démontré le truc. Alors c'était sans compter que, vous imaginez bien que depuis des millénaires, on pratique la circoncision chez les jeunes enfants, alors que
On ne s'est jamais rendu compte de ce genre d'évolution. Bon, enfin voilà, ça avait au moins le mérite de démontrer que des mutilations ne sont pas héritables, évidemment. Sauf que l'acquis, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Et on s'est rendu compte progressivement que dans cette question, vous avez effectivement une première négation qui est, c'est le fondement même du néo-darwinisme. On parle d'un dogme central, c'est eux qui le disent, hein, c'est les théoriciens darwiniens qui disent ça, qui sépare deux lignées cellulaires dans les individus. Et c'est ça qui a fait toute la polémique dans l'idéalisme du darwinisme finalement, et qui explose aujourd'hui. Deux lignées cellulaires qui sont séparées par une muraille infranchissable. Vous avez la lignée des cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules de notre corps, de la peau, les globules blancs, le foie, enfin, etc. Toutes les cellules qui vivent concrètement dans notre milieu et qui répondent par une certaine activité, ça c'est la lignée somatique. Et elle est propre à chaque individu. Et la lignée germinale, c'est la lignée des cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, qui sont destinées à produire la descendance. Il disait, voilà, s'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, c'est que les cellules somatiques sont incapables de communiquer avec les cellules germinales pour leur dire, voilà, j'ai vécu ça, je transmets tel ou tel caractère. Évidemment, ça n'est pas possible, et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a eu cette barrière qu'il n'y a pas de transmission de l'acquis. Donc on en était là, et on en est resté là en définitive pendant tout le XXe siècle, avec quelque chose qui est important dans la tradition marxiste, c'est que finalement, quand on se penche sur les sujets de science, les principes de la dialectique sont opérationnels dans tous les champs finalement, en physique, en géologie, en chimie, on ne va pas développer, mais enfin, sans trop de polémiques. Et là, on a une théorie qui, pour la première fois dans l'histoire des sciences, déroge à l'un des principes de la dialectique. C'est-à-dire que, puisque tout doit être en interaction dans la matière, c'est ce que dit le matérialisme dialectique, ici on définit, on pose que deux parties de la matière vivante ne sont pas en interaction, et que les gènes ne sont pas influencés par le milieu définitivement. Alors, ça ne contrevient pas à ce que dit Darwin, tout simplement parce que le modèle darwinien, c'était de dire la vie évolue de façon endogène, et le milieu n'intervient qu'après. C'est le principe de la sélection naturelle. Donc il n'y a pas d'interaction, mais il y a une relation unilatérale. C'est-à-dire que finalement, le milieu ne va agir que sur le nombre de descendants des individus quand ils portent un avantage ou un désavantage sélectif. Ça vient en second. Et c'était vrai. C'est-à-dire que sur ce coup, on n'a pas dit le contraire avec l'épigénétique aujourd'hui. Par contre, on s'est rendu compte, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, hein, l'épigénétique c'est un truc très compliqué, mais et je ne vais pas revenir non plus sur le fonctionnement des gènes, comment ils s'expriment, comment ils déterminent des formes effectivement dans l'individu, mais on s'est rendu compte maintenant, avec des contraintes, disons, très actuelles, et c'est la raison pour laquelle on ne s'en rend compte peut-être que maintenant, qu'il existerait une certaine forme d'hérédité des caractères acquis, mais pas sous la forme qu'on pensait au départ. Alors, je ne vais pas vous lire les citations, j'avais prévu des citations, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même vous raconter ce qu'on a découvert. Là, il y a un journal scientifique qui s'appelle La Recherche, un article, mais il y a une profusion d'articles de ce type en ce moment, justement, et qui parlent de ça. Donc, je vous prends juste un exemple qui correspond aux coraux qui sont en voie d'extinction dans des mers qui subissent, en fait, l'impact du réchauffement climatique. Et on se rend compte, en tout cas les généticiens qui s'occupent de ces populations de coraux, qui sont des animaux fixés, incapables de fuir un milieu même quand il est perturbé, eh bien qu'ils évoluent en fait plus vite que ne le permettrait l'évolution simplement génétique, par mutation et sélection naturelle. Donc ça ne nie pas le fait que sur le long terme, cette évolution génétique suivie d'une sélection naturelle existe bel et bien, mais que dans le cas précis où l'environnement est très perturbé, et où il provoquerait la disparition de l'espèce très rapidement, sans possibilité d'évolution, eh bien la vie, et en particulier là c'est les coraux, mais il y a bien d'autres exemples, a développé des stratégies moléculaires capables, disons, de transmettre, non pas tout, mais une certaine partie des acquisitions des individus qui ont été exposés à des milieux difficiles. Ça, donc, je ne rentre pas dans les détails de la génétique par rapport à ça, mais je vous dis simplement que maintenant c'est un fait, c'est-à-dire que, et on comprend très bien la raison d'ailleurs,
Je veux dire, il y a tellement d'adaptations dans le vivant pour essayer de survivre, enfin, ou de faire perpétuer une espèce malgré les difficultés du milieu, que d'une façon générale, il y a beaucoup de complexité dans les stratégies qui sont mises en œuvre. Mais l'une de ces stratégies, c'est de faire en sorte, grâce à des enzymes spécialisées, là on parle des coraux qui sont capables de modifier leur métabolisme d'une certaine façon et de résister à la chaleur, mais que ça ne passe pas par les gènes, et que ça passe par ce qui est autour des gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est transmissible mais qui n'est pas lié à la séquence à l'intérieur des molécules d'ADN, et qui, d'une certaine façon, peut devenir transmissible. Alors, dans une modalité qui est particulière, puisqu'elle ne remet pas complètement en cause ce que disait Weissmann au début, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le soma et le germène, c'est justement que cette muraille existe, mais elle est franchissable. Donc en fait, il n'y avait pas complètement tort, mais il y a des modalités particulières où quand le milieu est très stressant, eh bien cette barrière, elle est quand même franchie. Je vous explique en deux mots. Normalement, c'est vrai que l'acquis, on comprend très bien pourquoi il ne s'hérite pas. Parce que si l'individu est exposé à un milieu particulier dans lequel tel avantage va s'exprimer, le milieu ne va pas forcément perdurer dans la descendance. Et ce qui était un avantage pour l'individu peut être un désavantage pour sa descendance dans un autre milieu. Donc on comprend bien que la vie fait en sorte de repartir à zéro, de rebooter le système à chaque fois qu'il y a une descendance. On comprend l'intérêt évolutif de ce processus. Et en fait, ce n'est pas un processus idéaliste dans le sens où il y aurait une muraille, enfin, il y aurait quelque chose d'impossible. C'est que cette muraille a été construite par l'histoire du vivant pour permettre aux descendants de ne pas forcément développer... Parce qu'on est passé là. Voilà, c'est ça. Et cette modalité a été elle-même contredite par une nouvelle modalité qui est, on nettoie l'ADN, on le relisse complètement à chaque génération, mais dans certains cas, quand le milieu est vraiment stressant, alors on laisse les usures ou les marques qui ont été faites par les parents dans certains gènes qui avaient été très intéressants. Il faut savoir que dans le patrimoine génétique qu'on a, on n'utilise pas tous nos gènes. Les gènes sont utilisés plus ou moins. Enfin, il y a un certain nombre de modalités quantitatives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a des usures sur l'ADN. Et ces usures correspondent à des endroits qui ont été intéressants et d'autres qui ont été tus pendant la vie de l'individu. Eh bien, ces modalités-là peuvent être transmissibles dans certains cas. Les trucs sont oubliés volontairement parce qu'ils avaient bien servi avant. Alors, mais ça va au-delà de ça, parce que les allèles dominants et récessifs, c'est dans la structure même de l'ADN. Alors que là, c'est les marques qui sont autour et qui finalement donnent une modalité d'hérédité des caractères acquis, mais réversible, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la durée. Elles sont faites pour que la descendance survive à un tel milieu jusqu'à ce que ce milieu redevienne stable, d'une certaine façon. Donc on a une sous-modalité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, mais dans certains cas, il y en a quand même une. Or, le néo-darwinisme s'était fondé sur l'absolue impossibilité d'une modalité comme ça. Donc, quelque part, l'épigénétique nous dit aujourd'hui, enfin, c'est d'ailleurs désarmant de voir les généticiens faire des articles là-dessus sans se rendre compte, concrètement, parce que les gens ne font pas forcément d'histoire des sciences, que ça a été le problème fondamental de tout le darwinisme dans le XXe siècle. Et ils redisent maintenant très naïvement que oui, ça existe, d'une certaine façon. Ou alors on parle d'acclimatation transmissible ou héritable, enfin, on essaye de changer les mots, mais on parle bien d'hérédité des caractères acquis. Alors, je voulais donner quand même un deuxième exemple qui est plus parlant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on comprend bien que cette modalité est utile pour les formes de vie qui ne peuvent pas fuir leur milieu. C'est le cas des végétaux, par exemple. Enfin, ils peuvent fuir, mais la migration d'espèces végétales dans un milieu perturbé, c'est très lent, hein, par rapport à des animaux qui vont fuir tout de suite. Les coraux, c'est des animaux, mais qui sont fixés. Donc, c'est les mêmes modalités. Et effectivement, ce type de modalité d'hérédité de l'acquis se voit mieux chez ce type d'être vivant fixé. Mais on a trouvé des arguments similaires, y compris chez l'homme. Alors, c'est même quelque chose d'intéressant dans le sens où vraiment là, on a un exemple type de ce que c'est que l'hérédité de l'acquis avec l'histoire d'une famine au cours de la Deuxième Guerre mondiale en Hollande, dans laquelle on s'est rendu compte, enfin, on a fait des études sociologiques après coup, dans l'après-guerre, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient enceintes
pendant cette famine et qui ont vécu une période où on avait une carence alimentaire pendant la grossesse, que ces enfants qui sont nés ont développé des problèmes métaboliques qui étaient inverses de la carence nutritive, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à développer des diabètes de type 2 ou de l'obésité. Et que, plus que ça, là on peut encore comprendre, puisque c'était des fœtus qui se développaient pendant cette période, mais que les enfants, c'est-à-dire les petits-enfants des femmes qui ont vécu pendant cette famine, développaient la même précocité à développer le diabète de type 2. Alors là, on n'est pas dans l'évolution des espèces, parce que c'est des maladies, mais le diabète de type 2, c'est une possibilité de profiter davantage des nutriments quand on est en période de carence alimentaire, et qu'on comprend très bien que quand on n'est plus en période de carence alimentaire, eh bien, dans ce cas-là, ce qui était un avantage devient un inconvénient quand on a assez d'alimentation. On s'est dit, oui, ça doit être la culture, ça doit être... parce que c'est vrai, hein, dans les populations humaines, c'est beaucoup plus difficile d'étudier ça, et on se rend compte que les mères ont peut-être appris des pratiques alimentaires particulières à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça peut être une hérédité culturelle. Mais on a reproduit la même expérience avec des souris, chez lesquelles on a pris la précaution d'utiliser uniquement des souris clonées, c'est-à-dire toutes jumelles homozygotes, qui avaient les mêmes gènes. Certaines ont été mises en situation de carence alimentaire, contrairement à d'autres, et elles ont effectivement développé, avec deux ou trois générations, une propension à développer ces... Et en fait, on avait pris la précaution de faire des fécondations in vitro, c'est-à-dire que d'implanter les cellules œufs issues de ces populations soumises à une carence dans des mères porteuses qui n'avaient rien subi. Donc ça ne passe pas par autre chose que par les cellules sexuelles. Et donc on a démontré que cette héritabilité était bien germinale et qu'elle contrevenait au principe fondateur du néo-darwinisme tel qu'il a été défini au début du XXe siècle. Alors on passe, quelque part, on passe sous silence. C'est quand même bizarre de voir les choses comme ça, parce qu'il y a peut-être un troisième exemple intéressant là-dessus, c'est sur les végétaux. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, on a fait un certain nombre de dégâts qui se voient beaucoup maintenant avec l'usage de pesticides massifs dans l'agriculture. On se penche sur de nouvelles possibilités de créer des variétés végétales capables de résister à des milieux perturbés sans qu'on ait besoin d'utiliser des pesticides ou des engrais, parce que ça coûte cher et parce que ça fait des dégâts écologiques. Et on voit l'INRA maintenant se pencher sur des permaculteurs un peu farfelus, en Lozère, enfin, et qui ont réinventé des techniques d'éducation des végétaux, c'est-à-dire que c'est des mecs qui, dans leur jardin ou dans leur petit champ, essayent d'habituer des semences de tomates, par exemple, à la sécheresse, et dont les générations suivantes ont les mêmes facilités à vivre et à se développer, à faire des grosses tomates dans des milieux perturbés. Et on se dit, tiens, on n'a jamais voulu voir ça pendant tout le XXe siècle parce que c'était un tabou, mais maintenant, comme on a un intérêt économique et matériel à le voir, eh bien on le dit, et puis on le dit en faisant semblant que voilà, qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a jamais eu de polémique de ce point de vue-là. Or, moi je rappelle, puisque c'était mon introduction, que c'est le seul moment où dans l'histoire des sciences, une théorie scientifique contrevenait à l'une des lois de la dialectique. Donc je reviens, je dis, en tant que biologiste, mais aussi en tant que marxiste, voilà, la seule théorie qui posait problème et qui avait mis un terme à l'analyse, enfin au travail des marxistes sur ce champ, c'est-à-dire sur le champ de la science, revenez, c'est bon, on a levé un problème, vous avez compris qu'il y a une interaction, une relation bilatérale entre le milieu et les gènes. Elle est plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer au début du siècle, on n'était pas capable de le voir, mais le développement de la science spontanément, c'est-à-dire sans adjonction de travail philosophique, finalement les généticiens ont fini par le découvrir eux-mêmes, avec le développement de leur... et puis dans des contextes particuliers, réchauffement climatique, problèmes d'agriculture intensive, finissent par retrouver des choses qu'ils ne voulaient pas voir pendant un certain temps. Donc tout ça, finalement, m'amène à dire un certain nombre de choses, alors de mon modeste point de vue, mais puisqu'il se trouve qu'on est en train de commencer, en fait, on parle de révolution épigénétique. Parce que même si on ne met pas vraiment les mots là-dessus, on sent bien que pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des problèmes qui ont commencé à naître. Je citais Stephen Jay Gould dans ce sens-là. On parlait de crise. Même si ce n'est pas comme une crise économique, c'est une crise en science, ça a toujours été producteur d'autre chose, de nouveau.
Là, on a le début d'une réponse à ces problèmes théoriques qui se sont posés. Et finalement, ça nous permet de revenir, effectivement, de remettre les lunettes de la dialectique pour reconsidérer un petit peu tout ça, à la manière peut-être de Marcel Prenant à l'époque, mais en 1935, on ne connaissait rien. Hein. On ne savait pas ce que c'était l'ADN, on connaissait juste l'idée de l'existence des gènes, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, on avait une connaissance assez minimaliste quoi, de cette théorie. Maintenant, on a vraiment travaillé, on a beaucoup de résultats pratiques qui nous amènent à peut-être considérer comment on peut définir finalement le vivant, au-delà même des problèmes théoriques que proposait le darwinisme au départ. Alors, très rapidement, si on reprend, y compris tout ce qu'on connaît maintenant sur l'origine de la vie, vous savez peut-être que la vie est née avec des molécules avant de se retrouver sous forme cellulaire. On parle de ces premières molécules biologiques ou biotiques, on dit. Hein. On parle souvent de ça, quelles sont les origines de la vie. Ça a commencé avec des molécules qui avaient une double activité, celle de se répliquer à l'identique, et c'est resté la modalité de l'ADN. L'ADN, c'est une fermeture éclair qui s'ouvre et qui reproduit la même chose des deux côtés. On a deux ADN là où on n'en avait qu'un, identique. Et bien cette capacité d'autoréplication spontanée est une propriété des molécules qui est visiblement maintenant assez banale, mais qui, au début de l'histoire de la vie, se doublait d'une capacité pour ces mêmes molécules d'avoir des propriétés enzymatiques, capables de reconstituer les composants eux-mêmes de l'ADN, ou de l'ARN, plus exactement au départ. Enfin, c'est un peu la même histoire. Donc on a des molécules qui, pour la première fois dans l'histoire de la matière, et ça s'est passé sur Terre, mais peut-être ailleurs, ces molécules-là avaient une particularité par rapport au reste des molécules du monde matériel, qui était de s'auto-répliquer, donc de s'auto-conserver en se multipliant à l'identique, jusqu'à un certain point. On part de là et on arrive à des formes de plus en plus raffinées qui, si on considère bien les choses à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, ont développé des milliers de stratégies d'auto-conservation très très compliquées, mais qui se fondent sur ce principe de départ qui est l'auto-réplication, l'auto-conservation moléculaire. Alors ça peut sembler anti-dialectique de dire ça, parce que la conservation, c'est le non-changement. Donc ça n'est pas dialectique concrètement. Normalement, dans la vision marxiste, y compris de la matière change. Elle évolue, elle est animée de processus. Or ici, la dialectique se trouve dans le fait qu'une molécule ne peut pas se conserver à l'identique dans un milieu qui, lui, est changeant. Donc en réalité, ce contre-mouvement de résistance pour se conserver tel quel, est bien un mouvement en tant que contre-mouvement. Et on arrive à la dialectique en se disant que ce contre-mouvement arrive à satisfaire cette conservation parce qu'elle change. Autrement dit, j'utilise un exemple qui va vous parler, on est une population humaine ici où tout le monde est différent. On a tous des phénotypes différents, mais on fait partie de la même espèce. Eh bien ce polymorphisme, cette diversité de formes dans les individus d'une population, a une fonction autoconservatrice au départ. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes tous différents que s'il y a un problème environnemental à un moment, une maladie, un truc comme ça, il y aura des survivants. Donc cette modalité de polymorphisme est une modalité d'autoconservation à la base, pour faire survivre des individus et perpétuer l'espèce, malgré ça. C'est un contre-mouvement. Or, l'accumulation, vous avez compris, l'accumulation quantitative de ce polymorphisme qui normalement doit conserver l'espèce aboutit à un saut qualitatif qui est de changer complètement l'espèce. D'accord ? Et là, on a un processus qui est une contradiction entre une volonté, enfin une volonté, c'est pas une volonté, mais c'est parce que si on dit volonté, on est dans l'idéalisme. On a une force extérieure, finaliste, dirigée. Non, c'est une capacité qui est liée au fondement même de l'histoire de la vie, qui sont les molécules autoconservatrices, l'ARN et l'ADN, qui ont accumulé autour d'elles, et ça c'est ce qu'on appelle l'histoire du vivant, toute une série de modalités. Le fait qu'on soit composé de cellules en fait partie d'ailleurs, parce que c'est une façon de protéger les molécules du monde extérieur qui est très changeant, mais à chaque fois, le milieu étant toujours changeant, puisque la matière est toujours en évolution,
eh bien, l'autoconservation ne peut que perfectionner ses modalités de conservation au prix de ne pas survivre. Et en perfectionnant ses modalités, eh bien, la matière vivante change. Du coup, on est presque dans un récit de l'histoire du vivant qui est celui d'une autoconservation impossible, qui finit toujours par changer quelque chose à ce qu'il ne fallait pas changer, des formes et qui, de plus en plus évoluées, de plus en plus complexes, et dans laquelle on peut intégrer toutes les modalités qu'on connaît aujourd'hui en génétique moléculaire. J'en cite deux ou trois, pas plus, et puis j'arrêterai là. On s'est rendu compte, récemment, dans les dernières décennies, qu'il y avait de très nombreuses modalités de correction des mutations dans les cellules. Il y a des enzymes qui sont spécialisées pour corriger les mutations. Et ces enzymes sont extrêmement perfectionnées. Donc, le vivant a évolué à cause des mutations, mais a mis en place des modalités qui sont toujours plus perfectionnées dans le sens d'empêcher les mutations, de freiner la fréquence impossible à arrêter en réalité des mutations. On ne peut pas reproduire à l'identique dans une matière en évolution perpétuelle, on ne peut pas reproduire à l'identique de l'ADN. Eh bien, cette lutte contre les mutations, c'est l'histoire du vivant en réalité. Et ce qui est dialectique là-dedans, c'est que malgré le grand perfectionnement de ces modalités, on n'a jamais réussi à en empêcher les mutations, elles continuent. Et c'est même elles qui continuent à sous-tendre l'évolution des espèces. Donc il y a des enzymes qui corrigent les mutations, ça c'est à l'échelle moléculaire, il y a des modalités qui permettent quelquefois qui permettent des hybridations entre espèces dans certains contextes environnementaux, alors que normalement c'est impossible, et qu'il y a des barrières d'espèces qui font qu'on ne peut pas se reproduire entre espèces. Normalement, ces barrières-là ont l'air d'être métaphysiques, ont l'air d'être antidialectiques. Non, elles sont construites. Il y a des mécanismes moléculaires qui ont été mis en place, qui n'existaient pas au départ et qui existent aujourd'hui, pour empêcher les hybridations, parce qu'elles sont néfastes à l'autoconservation. Mais dans certains cas où le milieu l'oblige, on finit par observer, par être en mesure d'observer des hybridations parce que c'est nécessaire d'ajouter des avantages sélectifs d'espèces proches. Donc on a toujours des choses qui ont l'air d'être antidialectiques parce qu'elles sont conservatrices, mais en réalité, elles sont objectivement les modalités d'évolution de l'espèce. C'est comme ça qu'on peut... Alors en fait, moi j'ai cherché pendant très longtemps dans la littérature, en biologie, ou en philosophie de la biologie, comment on pouvait définir le vivant. Et en fait, il n'y a pas de définition de la vie jusqu'à présent. C'est-à-dire que on s'est contenté, les seules définitions du vivant que j'ai pu voir sont des listes de caractéristiques. C'est-à-dire le vivant, c'est ce qui se reproduit, ce qui consomme des nutriments, c'est ce qui... Et on ajoute des tirets comme ça. Et finalement, on n'a pas de perception globale qui pourrait se résumer à quelque chose d'opérationnel et donc de discutable. Après, on peut en discuter, mais enfin, quelque chose d'opérationnel qui serait compact et qui dirait, voilà, la vie, c'est une partie de la matière qui a ceci de différent du reste, qu'elle tend à s'auto-conserver sans jamais le pouvoir. Et cette contradiction-là est le fondement même de l'histoire du vivant jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai là.